Et bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Comment ça va? Moi, ça va. Alors, ça va plutôt bien. Alors, si tout se passe bien, je peux jouer à Sekiro demain. Donc, je suis très très content. Si tout ne se passe pas bien, je ne peux y jouer que samedi vers minuit. Minuit une, à la fin de mon jeu de rôle. Du coup, je suis pas très content. Donc, c'est un peu mitigé. Et en plus de ça, il y a mon disque dur là, ça fait une demi-heure qui fait des bruits un peu bizarres. J'espère qu'il ne va pas mourir. Ce serait très dommage. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a des trucs à faire aujourd'hui. Alors attendez, on va remettre. Voilà, on va afficher le GMU. On va mettre le son du GMU, attention les oreilles. Oh yes, ça. Ah, le thème d'opening de Dark Souls 3, toujours aussi bon. Alors ça, j'ai plus besoin. Voilà. Et donc, le boss rush Dark Souls 3. Ah, ça va, la manette est bien reconnue. Ouf, ouf. Ça va, tout fonctionne. Yes, yes. Donc ouais, on commence par la fin du boss rush de Dark Souls 3. Alors il reste pas grand chose. Il reste 5 boss. Si je sais encore compter. Alors non, je sais pas compter parce qu'en fait il en reste 4. Ouais, non, 5, attendez. Il nous reste les princes des, le prince démon à faire. Là on est devant. On est devant le prince démon qui peut être très très chiant. Il nous reste la lance de l'église. Alors ça c'est alors là je joue offline du coup c'est pas très intéressant comme boss mais normalement quand on joue online la lance de l'église c'est un boss PVP. Et du coup ça peut rendre le truc très très drôle. Il nous reste Gaël qui est le boss final du DLC. Soul of Cinder, qui est le boss final du jeu, et Midir, qui est le boss caché en fait du DLC 2, mais que j'ai. Alors j'ai un peu tweaké pour le mettre tout à la fin. J'espère que ça a fonctionné. Parce que le truc cool, c'est que Midir, je l'ai jamais fait. Midir, j'ai jamais fait le boss. Donc on va y aller avec un build bon, bah, que je maîtrise pas trop. Hein, bon, la dague, hein, c'est. Voilà. Et en plus, le boss, je le connais pas, donc ça va être génial. Bon, quoi qu'il en soit, bah là, YOLO! Donc, les princes démons. Alors, d'abord, on commence le combat, donc c'est un combat en deux phases. Le premier, c'est ici les deux démons. Et voilà. Donc, le délire en fait, c'est que. Waouh, 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 waouh. Ah voilà, ok, donc là, c'est le moment où il faut un petit peu. J'allais dire, c'est le moment où il faut un petit peu. Voilà, il faut un petit peu reculer. Mais. En fait, le principe, c'est que la première phase, il y a deux démons. Alors, ces deux démons qui ont. Ils ont des noms différents, mais ça, on s'emmerde. Ils ont exactement le même moveset. Le délire, en fait, c'est que. Ils ont chacun deux phases. Une phase énervée, donc là c'est celui qu'on tabasse là en premier. Où le mec il est vénère, il balance des coups de griffe à tout va, il est infernal. Et une phase un petit peu castor où il lance du poison, enfin du toxique pour être exact, ce qui est pire. Et ils alternent en fait comme ça entre ces deux phases chacun. Sachant que selon lequel on tue en premier, la deuxième partie du boss, c'est pas pareil. Il a pas exactement le même moveset.
Donc voilà, en fait là le rayon violet c'est pour me prévenir qu'il va y avoir une voilà un jet de poison. Oh là Michel, hein. Là, le cri en fait là ça veut dire que le deuxième passe en mode énervé. Du coup je suis pas très content. Parce que quand les deux sont énervés c'est juste injouable. Ok, là il se calme. Ok. C'est pas très sympa ce que vous me faites là les gars. Oh là là! Ah! Le nuage toxique alors. En fait, l'idée c'est de. L'idée de ce boss en fait c'est de. C'est d'essayer de pas avoir les deux au même endroit. Sauf si. Enfin, sauf si on a des armes qui tapent, qui peuvent taper large. Avec une Ultra Great Sword, si les deux sont. Les deux sont collés au final, c'est plutôt cool parce qu'on peut vraiment défoncer les deux en même temps. Là, avec mes decks de Pécor, c'est mitigé, on va dire. Là j'aime pas parce que là, les deux sont proches, en fait. Là. Oh mec, calme-toi Michel. Ah parce que ça c'est la partie. Donc là je me fais casser la gueule. Hein. Mais ça c'est la partie facile du combat, on va dire. Enfin, facile. C'est-à-dire que c'est pas la même difficulté. Là, c'est vraiment une difficulté où c'est du 1 contre 2. Et le 1 contre 2 dans Dark Souls sur des choses un petit peu énervées, c'est toujours un peu l'enfer. Voilà! Non, 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 laissez-moi vivre! Ah! Ça se passe pas très bien. Est-ce que je peux appeler ma maman pour avoir de l'aide? S'il vous plaît. Bon, on va voir la jouer petit. Donc là, c'est le moment où je recule. Et en fait, là, je vais attendre que le deuxième se calme un peu. Ok, il a l'air de s'être calmé, l'autre, c'est une bonne nouvelle. Pas du tout! Ah non, si, ok, là, il s'est calmé. Parfait. Faut vraiment faire gaffe parce qu'ils font super mal.
Ok, j'ai réussi à lui caler un coup critique, ça c'est une très très bonne nouvelle. Ok, lui se cale. Ok, les deux sont en mode poison là. Je vais en profiter pour... J'allais dire pour le bourrer et le finir, mais visiblement... Ok. Donc là, le premier mort. Donc là, l'idée, ça va être de jouer très très safe. Oh là, calme-toi. Ok, ça se passe plutôt bien. Là, je vais claquer ma braise parce que y a le vrai boss qui arrive. Alors, il a la même tête, hein. Mais il est un petit peu plus, voilà, il est un petit peu plus péchu. Ah mais non. Wow. Ok, ma dague lui met des dégâts pitoyables. Hein. Ah, c'est quelle phase? Il va voir quelle phase, les boules de feu ou les... Ok, c'est le laser. Selon le petit démon qu'on tue en premier, en fait, quand il fait son saut comme ça en arrière, c'est pas le même pattern. Voilà, donc là c'est le pattern laser. Vas-y, fais ton super. Oh, je lui mets du. Wesh! Ok, les petites boules de feu, ça va. Pourquoi? Oh là là. Ok. Ok, de nouveau le laser. Le laser, en fait, le pattern, une fois qu'on a compris comment il fonctionne, plus ou moins, il est pas si impressionnant. Il est très impressionnant, mais il est pas très dangereux. Bon, ok, sauf si on joue mal. Comme ce que je viens de faire là, normalement je suis pas censé. Mon arme a pas de portée, c'est infernal! Oula! Je vais essayer de me soigner, il me laisse, parfait. J'ai sauté dans la boule de feu. Et j'ai sauté dans la traînée de flammes. Je crois que ce sera pas pour ce try là. Wow. Ouais, parce qu'en fait le... Ce boss en P2, il est résistant aux dégâts tranchants. Ce qui m'arrange pas beaucoup du coup.
Non. Et c'est le décès. C'est très le décès et c'est très pas très bien. C'est Alors, le boss en plus de base, c'est un sac à HP. C'est un bon gros sac à PEV. Qui en plus a une résistance aux dégâts, il doit avoir. Je crois qu'il doit avoir dans les 10 000 PV. Ah ouais, il picote un peu, ouais. Il me semble qu'il a dans les 10 000 PV en phase 2. Et je lui mets 100 à la dague. Bon. Faut que je fasse gaffe à ma stamina aussi quand même parce que. Et salut Unkel, comment vas-tu? Ok, là c'est le moment où il faut kite. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir l'autre en visu. Ok, l'autre est passé en phase poison. Donc là, je peux taper un petit peu plus tranquillement le premier. Oh là! Ouh là, ça c'est pas bien ça. C'est si je me prends le toxique, basiquement c'est game over. Donc là, la petite barre de statue, tant qu'elle est pas à fond, c'est pas trop grave. Genre fou. Ah, grosse journée épuisée. Bah, il faut repose-toi du coup. Olé. Oh, j'ai monté un nouveau deck sur Magic Unkel. Si on finit le boss rush avant. Si on finit le boss rush avant minuit, je te le montrerai. Tu vas détester. J'aimerais tellement pouvoir tuer celui-là avant. Est-ce que tu me laisses faire? Yes. Ce sera quand même pas le moment de mourir. Oh, je l'ai tué sur. Alors là, je pouvais lui mettre un coup critique. C'est le coup qui me permettait de caler un coup critique qui l'a tué. Parfait. Ah, t'es en train de faire tes lises. Ah, je me suis fait le deck. Je me suis fait un deck espère. Un deck espère contrôle infernal. Ah oui, j'espère pouvoir le montrer. Sinon, ce sera pour la prochaine fois, mais. Ok, vas-y, fais des trucs. Oh putain, c'est le laser. Ok, ne pas se le prendre, voilà. Le deuxième. Là, ça va être le gros rush. Ah merde. Oh god.
ça se passe pas très bien tout d'un coup. Oh putain, il faut que je m'éloigne de là parce que ça va péter. Ah mais là c'est un espère, c'est encore pire. Merde. Là c'est un deck espère mais encore. C'est encore pire que le espère contrôle qu'on voit d'habitude. Oh là là. Il enchaîne les boules de feu, j'aime pas énormément ça. Oh, il a fait son petit drift là, mid dash. Normalement, je suis censé pouvoir passer en dessous, mais. Ouais, non, on va jouer la sécurité, on va se soigner parce que. Alors, faut que je fasse gaffe parce qu'il a quand même un grab ce boss. À mon avis, on va devoir faire des petites opties pour le boss. Je pense qu'on va devoir faire des. On va trouver un moyen d'optimiser ça. Aïe! Yep, on va aller. On va se crafter une. On va se faire une deuxième paire de dagues. Parce que là, très visiblement, ça ne passera pas avec celle-là. Enfin, si, ça pourrait passer, mais. Le combat est extrêmement épuisant. On va retourner. Nous allons retourner au. Au sanctuaire. Alors, déjà, on va faire un truc. On va manger. Non, je veux pas me reposer près du feu. Je veux. Bah, en fait, attends. En fait, j'y pense. Ce serait beaucoup plus simple, je pense, si je vais pour vendre. Ouais, je veux vendre des trucs. Oui. Oui. Ah, wait. Non, ok, ça va. Ok, en fait, non, ça va. J'ai eu peur. Ok, non, ça marche bien. Les valeurs sont pas les mêmes, mais. Bon, je pense que là, ouais, je pense que là, on devrait être plutôt bien pour ce qu'on veut faire. Alors, je dois racheter une paire de decks. Non, ça, c'est des épées. Voilà, deux decks de brigands. Et alors, il m'en faut. Je crois qu'il m'en faut 10 comme ça, 10 comme ça, 10 comme ça. Et une comme ça. Et une pierre, une gemme sanglante. Ah. Ah allô, est-ce que le stream est encore en ligne? Visiblement, oui. J'ai le jeu qui vient de crasher. Je suis pas très très content.
Je suis pas content du tout en fait. C'est ah. Donc là, il faut relancer le jeu en espérant qu'il ne crache pas. Parce que Dark Souls 3, alors Dark Souls 3 au lancement, il est très très capricieux avec le. Parce que j'utilise un programme en fait qui force le borderless sur le jeu. Ah. Alors déjà, il y a un problème, c'est que. Est-ce que la manette est reconnue? S'il te plaît. Ok, la manette est reconnue. Ouais, Dark Souls 3, pour le coup, c'est. Ah, niveau. Alors, enfin, le jeu. Le jeu, il tourne sur une patate. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. C'est. Là-dessus, franchement, il n'y a rien à dire. Le jeu, il tourne super bien. Du coup, mes petites emplettes, j'en étais où? D'accord, ok, Voilà, la tablette et la gemme. Donc, nous allons. Je veux renforcer cette arme-là. Ah. J'ai pas assez de fragments de titanite. Un, deux, trois. Je pense que ça, il va m'en falloir plus aussi. Ouais, ok, d'accord. Ah, ah. Je crois qu'il m'en faut 15 en fait. 14 ou 15, quelque chose comme ça pour Alors, oui, je veux toujours renforcer cette arme là. Ok, et maintenant je veux l'imprégner en poison. Pas en poison, en saignement. Alors, ce qui fait que du coup, ces dégâts deviennent pas top. Par contre, le démon, il me semble que le prince démon est sensible au saignement. Les niveaux, comme de toute façon, on sait qu'on va mourir. On va prendre les niveaux en chance. Parce que la chance, en fait, améliore le. Améliore la vitesse à laquelle se monte le poison. Ouais, on voit quand même qu'au niveau des dégâts, 129, 135, voilà, il y a quand même une grosse différence. Hein, je perds pas loin de 100 de dégâts. Mais par contre, bénédiction divine, oui. On va en acheter des comme ça aussi. Et les bénédictions divines, en fait, c'est un objet qui, bon, qui vire tous les statuts, mais à la limite, ça, on s'en fout. Je peux en avoir que un sur moi. Ça a surtout l'avantage de. C'est une potion supplémentaire. Une potion qui me remet full vie. Et l'air de rien, c'est super. J'aurais dû racheter des braises parce que je crois que j'en ai plus. Et que j'ai quand même besoin du pool de PV qui m'apporte là-bas. Il m'en reste une. Bon, allez, on va voir. Ok, donc la P1, par contre, je dois bien le faire avec la dague. Avec ma dague pour l'agilité.
Parce que les deux démons là n'ont pas spécialement de une grosse résistance au saignement, donc c'est cool. Hein. Enfin, n'ont pas une grosse résistance au slash damage. Hein. Donc au final, c'est pas trop gênant de. Quand les deux sont en mode mongol, c'est ah, c'est un moment très enrichissant le gameplay. Ok, l'autre vient de se calmer. Wow. J'aimerais bien ne pas mourir comme un sac. Si c'est possible. Ok, les deux sont en mode poison. Ah ouais, alors non. Alors les gars, s'il vous plaît, calmez-vous, quoi. Un moment. Ah, c'est aussi ça le jeu vidéo, hein, des moments. Ah, j'ai pris le toxique. Bon, bah, j'en ai une. On va essayer de trouver un moment pour l'utiliser. Ah bah tu peux être tout énervé maintenant, monsieur, t'es tout seul. Oh bah là, sur les pour les deux, j'ai pas pris... Là, je suis toujours sur... Là, je suis toujours sur la même arme et j'ai pas pris de stats de dégâts pour eux. Après, c'est surtout. Enfin, la première phase, c'est surtout avoir le combat bien dans les doigts. Ok, maintenant je prends la dague. Maintenant je prends la dague de saignement. C'est exactement la même. Le seul truc pour les différencier, c'est. C'est. C'est le petit carré rouge au lieu d'avoir la petite pierre pointue. Et normalement, ça devrait mieux se passer. Par contre, je vais vraiment plus lui faire de dégâts. Là par contre, je crois que lui faire des dégâts hors saignement, je peux complètement oublier. Il est en mode boule de feu, je suis pas content. Parce que... Ah voilà, ouais. Donc là, il aura pas les lasers, à la place, il aura ça. Et d'où la grosse boule? Oh, voilà! Parce que je n'ai pas tué le bon démon en premier. Par contre, le truc, c'est que si je veux lui faire des dégâts de saignement, il faut vraiment que je... Bon, jusqu'à avoir le... Ah, voilà, je sais pas si vous avez vu, là, en fait, à un moment, il a pris un gros paquet de dégâts sur une attaque. Ça, c'est le saignement qui s'est déclenché. Le saignement, c'est pas comme... En général, dans les autres jeux, le saignement, c'est considéré comme un peu un dot.
En fait, là, pas du tout. C'est un. C'est une barre de statut qu'on remplit. Et quand elle est pleine, en fait, c'est un gros gros burst de dégâts. En PVP, en général, un proc de saignement, c'est le one shot. Puis. Oh. Enfin, ce qui est beau, c'est que j'ai aucune idée de comment gérer ce pattern là. Les météores. Je vais essayer de courir loin. Waouh. Oh. C'est dommage. Donc ouais, au final, j'y gagne un petit peu en dégâts. Pas énormément. En fait, ça va surtout dépendre de si j'arrive à déclencher le saignement de assez vite. Et assez régulièrement. Sachant qu'en plus, là, donc là, le boss rush, en fait, tout limite à 10 fioles. Normalement, là, on en a 15. Entre 13 et 15, selon si on les a toutes ramassées ou pas. Je veux acheter. On va en acheter une vingtaine pour être sûr. Et on va en racheter encore 5 comme ça, pour être sûr qu'on n'est pas vraiment à revenir. Et c'est vraiment ce boss-là qui va être ce boss-là qui va être dur. Les trois boss qu'il y aura après celui-là, ça devrait aller. Ça devrait très très bien se passer d'ailleurs. Je pense qu'ils vont pas me faire galérer. Alors Gaël, il se peut que je meure volontairement dessus sur la fin du combat, juste parce que j'adore le combat. Parce que j'aurais peut-être envie de le refaire. Très très grave erreur. Dark Souls, alors Dark Souls, c'est. Je dis souvent qu'en fait le jeu il est pas spécialement dur parce que alors évidemment il y a des passages, il y a des boss, il y a des boss comme là il y a des boss qui sont vraiment épuisants parce qu'ils sont très très longs. Mais surtout, je trouve un jeu qui va mettre ta patience à l'épreuve. Et qui va vraiment punir le. Qui va vraiment punir les attaques. Les phases d'attaque un peu trop greedy. Attention, je vais pas dire non plus que c'est un jeu facile, hein, loin de là, mais. Voilà, j'aimerais bien que lui vienne jouer avec moi maintenant, un petit peu plus près, voilà. C'est la patience, ouais c'est ça, la patience, apprendre les patterns, les savoir ce qui marche, ce qui marche pas. C'est et clairement hein, d'expérience parce que c'est encore quelque chose qui m'arrive.
Parce que là, y a pas si longtemps que ça, j'ai refait une run du jeu au complet. Et au final, sur un, donc une fois que le boss, voilà, il est bien, que le try, c'est un try gagnant, clairement. La première chose qui me tue, c'est que je vais vouloir mettre l'attaque de trop pour tuer le boss. Et c'est l'attaque qu'il fallait pas mettre, en fait. Et là, je vais pas jouer au con, je vais kite. Ok. Non mais reviens jouer ici s'il te plaît Michel. Ah. Alors les deux en poison, c'est pas très bien non plus parce que... Ok. Hop, je vais aller jouer avec l'autre qui a l'air d'être un petit peu... Voilà, qui va être plus jouasse. Et j'ai un bouclier qui est vraiment pas terrible aussi. Alors, enfin, c'est un bouclier que j'aime beaucoup avoir quand je joue avec une arme lourde. C'est un bouclier en fait qui me permet de régénérer de la stamina. Qui m'offre une petite régène de stamina pas dégueulasse. Le premier c'est fait. Donc là je crois que ce sera les boules de feu de nouveau. Donc on va faire très attention. Ok, ça c'est fait. Je vais directement claquer la braise. Repasser sur la dague de saignement. Et on va serrer les fesses. Je crois que j'ai pas réussi à les caler de saignement, je suis un peu déçu. Ah oui, non, mais. J'ai aucune idée de comment gérer ce pattern. C'est vraiment, je n'ai aucune idée. Ok. J'accepte ma défaite, hein. Clairement, j'accepte ma défaite, mais...
Il faut que je tue la barre, je sais pas, alors je les noms, je sais jamais lequel est lequel. Il faut que je tue la barre de vie du dessus en premier. Ah, clairement. Ah non, lui il m'a pas, ah bah non, lui il m'a pas raté, tant tu penses. Bah, c'est un démon, ce serait mauvais genre de le rater. Ok, là on va pas jouer au con, on va Ok, il est passé en phase poison le démon blessé. Oulala là là. Aïe. Non mais de toute façon, c'est la faute à la manette. Et Sekiro, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de pouvoir y jouer parce que de ce que j'ai entendu, du peu que j'ai entendu dire, enfin, pas vraiment peu parce que j'en ai entendu pas mal sur le jeu quand même. Mais le jeu, niveau difficulté, il est vraiment très relevé. Et il punit beaucoup les gens qui pensent jouer à Dark Souls en fait. Et du coup, je me demande comment ça va. Par exemple, là, c'était très gris de faire ça. Bon, ça passe. Ou attention, ne pas se prendre le blast de poison, ce serait dommage. Oh là 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 là. Oula! Ça m'arrange pas que l'autre s'énerve déjà. Parce que ça veut dire que je vais devoir refaire une phase quasiment entièrement à Kaité. Parce que je veux pas tuer le démon abyssal en fait. Par contre. Oh bah. Ça c'est fait. En fait, la faiblesse de la phase 1 du boss, c'est les coups critiques. Parce qu'on peut lui caler. Je peux lui caler des. Je peux lui caler des attaques critiques, mais pour ça, il faut les stuns.
Et la dague, c'est la pire arme du jeu pour stun. Avec la torche. Et peut-être les points. Oh là là. Oh. Aïe 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 aïe. Et le pire, c'est que je peux même pas acheter. Hein, le vendeur me propose pas des vrais boucliers. Parce que. Normalement, à ce stade-là du jeu, c'est. Alors, c'est un boss que je fais. En général, quand je joue. Quand je fais une. Quand je lance une run de Dark Souls, j'ai plus ou moins deux armes. Parce que, bah, normalement, évidemment, il y a les trash. J'ai en général un ultra espadon très très lourd. Hein, que je trimballe à deux mains pour. Pour les trash et certains et les boss de type humain en fait. Parce qu'en général les boss humains on peut les stun facilement et l'ultra espadon c'est très très bien pour stun. Et en général pour les gros boss un peu comme ça un peu plus compliqué. J'ai un espadon classique et un bouclier qui stun toujours très bien pour caler des gros coups critiques et surtout qui a l'avantage en fait de frapper un peu plus vite ça. Et là un bouclier qui absorbe bien les En fait, c'est pas spécialement que le bouclier doit absorber les dégâts. Parce que celui-là, il est à 80%, c'est pas dégueu. C'est surtout savoir combien d'endurance il te mange sur une attaque. Et merde. Pour éviter en fait de se retrouver tout simplement déséquilibré. Parce qu'en général, si on se fait déséquilibré, c'est. Oh! Salut! Il est pas spécialement sensible lui. Je pensais lui mettre plus de dégâts. Tu me dis qu'il est pas mort? Non, si, il est mort. Pas de moi. Non! J'ai roulé trop tôt! J'ai fait ma roulette trop tôt. J'aurais aimé avoir peut-être une meilleure marge pour pouvoir me remettre full vie, mais le jeu il a dit non. C'est quoi lui? Je vais le laisser mongoliser dans son coin en fait. Parce que là, sur une attaque, en fait, je perds la moitié de mon endurance. Alors que sur un bouclier un petit peu plus adapté pour bloquer, je vais peut-être perdre un quart, un tiers.
Ok, ça c'est nice. Non, ah par contre le fait qu'il se retrouve stun dans le poison derrière. Ok. Le numéro 1 c'est... Je te fous de ma gueule, c'est pas possible. Ok, là il va s'énerver. Ah non, mais je crois que il fait des dégâts quand il s'énerve. Non, il fait pas de dégâts quand il s'énerve. Enfin, il fait pas de dégâts. Il fait pas une grosse AO de feu des enfers.